Voilà, en préambule de cette vidéo en extérieur, accouché un peu dans la douleur et dans le vent, et en filmant un peu quelques semis parmi d'autres, parce qu'il y en a dans d'autres pièces, on voulait donc profiter de cette vidéo pour remercier les inspirateurs, donc Didier Helmstetter, bien sûr, le potager du paresseux, du forum écologie et de la chaîne DIT67, MSV, Vert de Terre Production, parce que moi je travaille dans l'agriculture, donc c'est vrai que je suis assez proche de ces gens-là. Jean-Martin Fortier, Elliot Coleman et bien sûr les maraîchers de Paris du 19e qui nourrissaient la capitale de l'époque avec les moyens du bord, c'est dire s'ils étaient bons. C'est sûr que tous ces gens-là ne peuvent être qu'inspirants pour les gens qui désirent bosser dans un potager et créer leur propre source d'alimentation. Et puis il y a bien entendu la bande des joyauderies des chaînes auxquelles on est abonné. Donc, Alekil l'exploratrice qui n'arrête pas de défricher, Black le peinard, la Casa del Perma della Tempesta, Damien le précurseur qui est là depuis longtemps et puis qu'on a suivi bien sûr dans son déménagement, les pédagogues David et Linda, le méticuleux Foot Tomate, le précoce Ginko. J'aimerais bien qu'il en fasse plus, lui, d'ailleurs, de vidéos. L'expérience de Jaco et Lily, le tranquille Mon Biopotager, qui m'a bien encouragé aussi. Je le remercie. Le poète Olivier, avec son climat bien favorable. la joyeuse Permachine, Perma Will des Bois. Là, il faut un peu... réviser vos classiques pour Will, et puis le sage Xiao, bien sûr, avec son verger magnifique et exotique. Sans oublier nos homologues montagnards, les romantiques trash de Projet Liberté, qui nous font beaucoup rigoler. Notre chouchou, notre petit Suisse de permaltitude, avec lequel on a bien entendu beaucoup de points communs au niveau géographique et météorologique, on s'en doute. Bientôt la neige. Pour lui, je pense que pour nous, ça ne va pas tomber. Enfin, a priori, ce n'est pas parti pour. Et puis, hors catégorie, hein, on en conviendra tous, hein, le rock'n'roll bien heureux, qui entre bave de crapaud et purin de limace, va bientôt se transformer en Merlin l'Enchanteur, si ce n'est déjà fait, vu son look. Voilà pour la série des remerciements, que ce soit aux inspirateurs ou à la bande de joyeuseries qui diffuse sur les chaînes.